the stars come to shine when it's dark. From so far away is where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 2 janvier. Je sais que vous en avez marre de l'entendre, mais je dois quand même vous le dire. Très bonne année à tous, bonne santé, plein de bonheur. Je vous souhaite d'avoir tout ce que vous souhaitez avoir, mais surtout la santé et les sourires. Aujourd'hui je pense que ça... Là il est déjà 11h30, donc je vais regarder tout de suite ce que je vais faire à manger. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un petit vlog tranquillou, parce que demain c'est la reprise de l'école pour les filles. Donc reprise pour... Donc reprise pour moi aussi, et j'ai un petit peu hâte quand même de retrouver une vraie routine, etc. Parce que là tout s'est enchaîné entre le déménagement, les fêtes, l'aménagement de la maison, etc. Enfin, c'était beaucoup de choses, donc là j'ai hâte de, ouais, juste de reprendre une nouvelle routine. Donc voilà, je vais vous montrer aussi les petites nouveautés dans la maison, parce que ça bouge quand même. Romain a du mal, enfin je pense que vous avez commencé à cerner le personnage. Il faut que ça bouge en tout cas, du coup il y a eu pas mal de bonnes choses qui ont été faites, et je suis très contente, je vous montre ça après. En tout cas, là, on va regarder ce qu'on va manger. J'ai un petit peu mal à la gorge, je suis enrhumée comme à peu près tout le monde actuellement, donc ma voix est un petit peu particulière. Vous allez vous habituer. Oups, j'ai perdu mon chausson. Bon, là, je suis contente parce que j'ai refait les courses, je sais plus, je crois le 30 ou le 31. Du coup, j'ai pas mal de bonnes choses dans le frigo. J'avais qu'une hâte, là, c'était de reprendre les vrais plats. Parce que vous savez, quand ce sont les fêtes, etc., on mange plein de petits toasts, plein de petits trucs apéritifs qui font qu'après ça, t'as plus faim. Mais comme on en a tellement dans le frigo, etc., bah, il faut tout finir. Donc, on se nourrissait que de ça. Et en plus de ça, franchement, j'avais la flemme de cuisiner. Mais là, je suis contente. Le frigo est plein de bonnes choses à manger. Et j'avoue que j'apprécie beaucoup cuisiner dans ma belle cuisine. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? En fait, j'ai dit que le frigo était plein, mais pas du tout. Il doit avoir 3 idées de repas là actuellement. Bon, je vais faire du poulet parce que il est bon jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais pas quoi. Mais je sais pas quoi faire avec. Je vais peut-être faire poulet à la crème avec des brocolis et des pâtes ou du riz. Ouais, là c'est le dernier jour des vacances des crapules. The pedestal. I don't know what I was thinking. Let it be more than drinking and going back to your place, never to see you again. Petite interruption rapide pour vous parler de Lily Silk qui sponsorise cette partie de la vidéo. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, vous me voyez porter mon ensemble de pyjamas qui vient de chez Lily Silk, du coup, qui est totalement en soie et c'est vraiment super confortable. Je vous en ai parlé dans ma dernière night routine. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis le type de personne qui ne sait pas dormir avec des vêtements. Et ça, typiquement, c'est le genre de matière que tu ne sens pas du tout sur la peau. Et en plus de ça, ça n'irrite pas. Enfin, c'est vraiment tout doux. Bon, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Lily Silk, ils proposent un nombreux choix de produits en soi. Bon, on va parler d'un truc que j'utilise depuis au moins 2 ans, minimum. On se retrouve dans la chambre parce que je vais vous parler d'été d'oreiller. Ça, franchement, ça paraît bête, mais on peut même dire que ça fait partie d'une routine skincare. Ça a tellement d'avantages, d'ailleurs, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. En fait, si vous voulez, quand vous dormez dessus, je vous fais une démonstration de comment on dort, on en est là. Non, mais en vrai, c'est pour dire que, comparé au coton, ça ne fait pas de plis sur le visage. En fait, le coton, ça va vous affaisser un petit peu et du coup, ça va accentuer les rides, l'apparition des rides et tout, tandis que la soie, pas du tout. Et du coup, on peut dire que ça a un effet anti-âge. Aussi, la soie pour les cheveux, je vous l'ai dit plein de fois. Moi, c'est surtout pour ça que j'ai commencé à utiliser des têtes d'oreiller en soie pour les cheveux. Parce que le matin, c'était un carnage. J'avais plein de nœuds. Ils étaient totalement emmêlés. Je voyais que je perdais des cheveux la nuit, qu'il y avait des bouts cassés de mes cheveux, etc. dans le lit. Et depuis que je dors sur des têtes d'oreiller en soie, vous pouvez regarder dans le lit, il n'y a pas de cheveux. Je trouve ça dingue parce que c'est clairement pas le genre de choses auxquelles on pense. Mais au final, si on veut prendre soin de nos cheveux, c'est hyper important. En plus de ça, ça les garde hydratés parce que la soie n'absorbe pas. C'est
pareil pour les soins sur la peau. Par exemple, si vous mettez toutes vos crèmes, etc. Avant de dormir, si vous dormez sur du coton, ça va absorber une partie du produit, tandis que la soie, non. En plus de ça, la douceur n'est absolument pas comparable. Je crois que vous le voyez là, mais c'est si doux, c'est si agréable. À savoir que chez Lily Silk, il y a zéro colorant, et en plus de ça, la soie est naturellement hypoallergénique. Petit plus avec cette tête d'oreiller là, je vous l'affiche directement à l'écran, mais à l'intérieur, on a une petite pochette qui est zippée, et en fait, ça vous permet de pouvoir les ranger plus facilement. Une fois pliés et dans la pochette, ça ne bougera pas, donc vous pourrez clairement l'emporter partout avec vous. Je me remets ici parce que là-bas, c'était trop sombre à l'arrière. En tout cas, autre produit qui est génial de chez Lily Silk, c'est cette brassière qui existe en différents coloris. C'est aussi une brassière en soie, et ce qui est génial, c'est qu'on ne la sent absolument pas. Comme vous le voyez, on a des bretelles plates, du coup, il n'y a pas ce sentiment de... Vous savez, il y a toujours ce petit sentiment d'être serré ici. Pareil avec les petits trucs à l'arrière qu'on sent dans le dos. Là, pas du tout. Et en plus de ça, on a un très bon maintien. À savoir que la brassière est disponible en taille unique et elle convient à la plupart des poitrines. Encore une fois, c'est un tissu super doux, c'est bien élastique et ça épouse vraiment les formes. Là, la soie est mélangée avec du spandex, ce qui permet clairement d'avoir cette élasticité et de pouvoir bouger tranquillement sans rien sentir. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a des petits coussinets que vous pouvez très bien enlever. Donc voilà, moi je vous mets tous les liens en barre d'informations et clairement, si vous craquez, vous ne regretterez absolument pas. Promis. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, on est le lendemain, autrement dit mardi 3 janvier. Il est actuellement 10h. Ouh, il est actuellement 10h. J'ai fait mon sport, j'ai juste fait 20 minutes de tapis et après j'ai fait quelques abdos comme ça sans rien suivre de particulier. J'essaie de reprendre doucement mais sûrement pour pas me dégoûter. En tout cas, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire vu que c'est la reprise. Mais là, je vais enlever le sapin. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez déjà enlevé ou si vous allez attendre un petit peu. Mais bref, je fais ça. Ensuite, je vous montre tout ce qui a un peu changé dans la maison. Je vais essayer de pas oublier, mais il faut que je refasse des photos pour les trucs que je vais mettre à vendre, les meubles, etc. que je mettrai sur le bon coin. Ou bien si vous voulez, là je vais faire les photos, comme ça je vous montre en même temps ce que je vais mettre à vendre. Et si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, comme ça vous serez prioritaire si jamais il y a des trucs que vous aimez bien. J'ai plus grand chose à vendre parce que j'ai déjà vendu pas mal de trucs, mais voilà. Donc là, on va enlever le sapin. En tout cas là, le salon il est un petit peu en attente parce que là, faut qu'on rebouche les trous qui sont juste ici. Romain a refixé des tasseaux de bois dans le mur pour vraiment pouvoir bien fixer le petit meuble. Le tapis est juste écœurant. On a prêté la machine, vous savez, le Bissell à des amis. Du coup, on attend qu'ils en aient plus besoin pour pouvoir bien nettoyer le tapis parce que là, franchement, il me dégoûte. Après, je pense que je le mettrai dehors vu que c'est un tapis intérieur-extérieur. Je sais pas. Mais je trouve que maintenant, il fait trop petit par rapport à la pièce. Je pense qu'après, quand on va changer, on prendra chez... Je sais plus chez qui. Brico... Je sais plus, mais en gros, il y a une chaîne de magasins où tu peux aller couper sur mesure de la moquette et en faire un tapis. Et ça revient bien moins cher. Et ça, c'est pas bête. Et en plus, tu peux avoir la dimension que tu veux. Intelligent. Et ça, c'est actuellement l'état aussi du salon. Franchement, le salon, là, il est pas ouf. Mais là, dans le carton, ce sont des vêtements que je dois filmer, etc. pour des contenus pour une marque. Et sur la table, on a tous les jeux de société. Parce que quand c'est les vacances, on laisse pas mal de choses aux filles en bas, comme leur grande maison de poupée, etc. On l'avait laissé en bas pour qu'elles puissent jouer en bas pendant qu'on est là aussi. Mais faut que je trouve une place pour tout ça. Et comme on n'a pas encore tellement de rangement, actuellement, je sais vraiment pas où les mettre. Parce que franchement, pour les boîtes de jeux de société, ils font des grandes boîtes. Ça, c'est pas très pratique. Bref, je vais enlever le sapin. Ça fait 10 fois que je le dis, 10 fois que je bouge pas. Je vais chercher les trucs pour ranger. Le sapin, on a toujours hâte de le mettre, mais on a toujours aussi hâte de l'enlever. Par contre, ça va faire vide. Hein. Il y a... Mon téléphone sonne. Ah, et puis je suis contente, les messieurs qui devaient réparer le volet là, de la persienne qui est là-bas, je vous avais expliqué que ça, c'était bloqué. Ils sont passés hier en avance et du coup, on peut à nouveau ouvrir la persienne. Et ça, c'est génial. Je suis contente. Moi, je suis horrible dès qu'on m'appelle et que je connais pas le numéro. Pendant le temps où ça sonne, je cherche le numéro sur Internet. Je déteste les appels. Il faut toujours que je sache qui c'est avant de décrocher. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. On peut pas m'attaquer à travers un téléphone. Allez, on enlève tout ça. Bon, là, on n'a pas encore de rangement et tout, donc je sais pas où je vais les mettre. Mais après, je ferai des boîtes pour bien ranger toutes les décos de Noël et tout. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more.
Side by side and through and through. No limit to what we can do. Bon, sapin enlevé, j'ai rangé le linge, j'ai passé l'aspirateur. Je vais vous montrer ce qui a changé. On a des rideaux, c'est trop bien. Bon, honnêtement, j'aurais peut-être dû vous montrer quand on a monté tout le système et tout, parce que c'est hyper intéressant. Ça fait propre, et c'est ce qu'on voulait, mais j'ai pas filmé. Je vais pas réussir à tout vous montrer entièrement, parce qu'on voit l'extérieur. Donc ça, ce sont des barres de rideaux qu'on a pris chez Ikea. Et en fait, comme vous le voyez, soit vous pouvez les mettre directement au plafond, soit vous pouvez mettre des équerres pour que ça soit plus bas. Et en fait, ça fait tout le long du mur, touc, comme ça, et ça fait hyper propre, je suis trop contente. Par-dessus, on a rajouté des rideaux occultants et on a mis un voilage blanc comme ça. Je suis contente parce que cette couleur-là, un peu gris top, c'est à peu près la même couleur que la cuisine. Donc voilà, faut que je les repasse. Faut que je les coupe aussi parce que ce sont des rideaux de 3 mètres. Mais je suis contente, c'est très joli. Et on voit enfin plus trop dans ma maison. Bon, si je me mets comme ça, normalement, vous voyez pas trop. Mais ouais, ça fait ça. En plus, ça agrandit un peu le mur, le fait que les rideaux aillent jusqu'au plafond comme ça. Donc ça, c'est une très bonne chose de faite. Et après les changements, c'est à l'étage. Bon, à côté de moi, il y a le linge qu'il faut que je monte. Mais j'ai enlevé mon bureau et j'ai mis le miroir à la place. Je sais pas encore s'il va rester là, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et du coup, j'ai mis mon petit bureau ici. Et j'aime bien, au moins ça me coupe un petit peu du reste de la maison. Prochain truc, vous l'avez vu en début de vlog, on a mis un miroir. Du coup, c'est un miroir qui s'allume. On peut changer la couleur, enlever la buée. Bon, j'avoue que la loue est un petit peu petite pour atteindre le miroir. Pour l'instant, se voit pas, mais ça viendra. Bon, dans notre chambre, notre salle de bain, c'est le bordel, genre le bordel total. Il y en a partout. C'est la seule pièce où pour l'instant c'est un peu le n'importe quoi, mais ça avance. On a un dressing, c'est le bordel, j'ai la flemme de ranger pour vous montrer, donc j'ai pas encore fini de tout organiser. Promis, je vous remontrerai ça correctement, mais en gros pour l'instant c'est comme ça. Je vous affiche les noms des meubles etc qu'on a mis, mais en gros on a fait au moins cher et au mieux, et par rapport à nos affaires etc c'est parfait. Donc là Romain a mis cette affaire ici pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait son dressing, mais finalement pour l'instant ça va. On n'a pas encore trouvé de place pour ses pantalons, mais ça fait l'affaire. Ici on a toutes les chaussures au sol parce qu'elles étaient là, mais maintenant faut qu'on trouve un rangement pour les chaussures, et il faut surtout que je fasse un tri parce que j'en ai un million alors que j'ai que deux pieds. Ici, j'ai rangé mes vêtements. J'ai encore quelques manteaux là-bas, mais il n'y a plus de place. Et j'ai un petit peu peur que la barre casse. Je sais pas si vous le voyez, mais elle penche déjà. Et tout ça, c'est le carnage qu'il faut encore que je range. Mais en tout cas, je suis trop contente. J'ai plein de rangements. Ici, j'ai mis sous-vêtements, jogging et pyjama, pantalon, les affaires de Romain, mes affaires de sport. Là, pour l'instant, j'ai rien mis, mais c'est cool. À la toute base, on comptait mettre un petit meuble au milieu et deux grandes barres là sous la pente. Sauf que quand on regarde, en fait, par rapport à la longueur des barres qu'on aurait mis... Attendez, comment expliquer? Mais en gros, il y aurait eu trop de poids sur les barres par rapport à la longueur qu'on a. Du coup, on a réduit et on a mis plus de tiroirs pour pouvoir ranger toutes les affaires que je vous ai dit. Et finalement, c'est mieux parce que j'aurais galéré pour tous mes pantalons, les pyjamas, les trucs de sport et tout. Et là, c'est parfait. Et dernier changement dans notre salle de bain. Alors ici, à la base, on savait pas trop comment on allait faire exactement parce que c'est sous pente juste ici. Et on savait pas trop la place qu'on allait avoir. Mais si vous vous en souvenez, dans le dernier vlog, il me semble, on a trouvé un meuble en déstockage chez Leroy Merlin. Du coup, on l'a mis ici et voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis mon meuble Alex comme ça. Je sais pas encore comment, si je vais le laisser là ou pas, mais il y a tous mes produits de beauté et tout dedans, donc pour l'instant, c'est là. Quand on l'a acheté, il y avait déjà les poignées dorées, donc on les a laissées et on s'est dit pourquoi pas mettre des touches dorées pour changer des autres pièces, sinon c'est tout gris. Je pensais que j'allais pas trop aimer le miroir doré et rond dans ce coin parce que finalement, ça fait ça, et au final, je trouve que ça va. Là, il y a un trou là sur le côté parce qu'on a dû faire bouger les prises, sinon le miroir rond ne passait pas, enfin il passait devant les prises là comme vous le voyez, donc on les a mis à côté et je trouve que ça va. Ah, je suis accrochée. Ah, c'est aussi un miroir qui s'allume. Bon, là il y a toutes les traces de doigts depuis qu'on l'a mis, qu'on l'a installé etc, j'ai pas nettoyé, donc c'est pour ça qu'il y a des traces de doigts partout vu qu'on devra le rebouger pour boucher ça. Mais là c'est, je crois que c'est la même marque, c'était pas écrit vu qu'il était scotché derrière le meuble, mais c'est le même. Et du coup au bord c'est une finition dorée, enfin laiton comme les poignées. Et voilà quoi. Bon, il y a encore beaucoup de travail hein, comme vous le voyez, surtout du rangement, de l'organisation, de l'aménagement, mais ça va aller. Faut juste encore qu'on s'habitue, qu'on trouve encore d'autres rangements
mouvements, etc. Une fois que ça sera fait, ce sera parfait. Bon, pour l'instant, je vous laisse ici parce que j'ai plein de trucs à filmer, etc. Je vais pas vous montrer ce que je filme et tout parce que ce sera pas intéressant pour vous. Mais je pense que je vous retrouverai après pour clôturer le vlog, peut-être ce soir quand les filles rentreront de l'école. Donc voilà, à tout à l'heure. Et là, c'est une queue de cheval. Cherchez pas. N'importe quoi cette vidéo. On est actuellement le 13 janvier, donc vraiment bien plus tard. J'ai oublié de clôturer cette vidéo. Je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant, étant donné que je suis en train de filmer un autre vlog. Là, en ce moment, mes vidéos, je vous les poste dans un ordre vraiment incompréhensible. Mais bon, promis, après, ça sera un petit peu plus logique l'ordre dans lequel je le fais, parce que là, je vous ai posté une vidéo. C'était la première de l'année, du coup. Dans la deuxième vidéo de l'année, je vous dis bonne année. Après, la troisième, celle-là, elle était tournée avant même les deux que je vous ai postées avant. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais après, l'ordre normal reprend, promis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets mes réseaux sociaux à l'écran si jamais vous voulez me rejoindre. Et ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Ou bien on se retrouve en short tous les jours, comme vous voulez. Gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.